Ouais, je viens ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, Cristiano Ronaldo est parti pour aller jouer en Arabie Saoudite. Il a officiellement et définitivement quitté le football européen pour aller jouer dans le club Al Nassr. Et on a pu voir que sur les réseaux sociaux, ça a créé une indignation mondiale. Tout le monde a commencé à se moquer de Cristiano Ronaldo, du côté occidental, bien sûr, parce que pour nous, les Occidentaux, le foot, il existe qu'en Occident. Le foot n'existe pas ailleurs. C'est impossible pour un joueur qui a joué en Occident d'aller jouer en Asie, d'aller jouer en Amérique. Pour les Occidentaux, c'est du grand n'importe quoi. Si tu quittes l'Europe, c'est que tu n'as plus le niveau. Tu comprends? Alors que, mesdames et messieurs, si on reprend la carrière de Cristiano Ronaldo et on la débute juste au Real Madrid, pour pas trop vous polluer l'esprit à dire que ouais, Cristiano Ronaldo c'est le meilleur, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il a fait. On va juste analyser. On prend l'époque où il était au Real de Madrid. Combien il touchait là-bas? Hein? Avec ses apparitions stratosphériques, le mec faisait des pubs dans la ville, le roi lui mangeait dans la main, le roi espagnol. Quand la fin de son contrat arrive, on lui dit baisse ton salaire. T'as vieilli, on commence à lui parler comme ça. Alors que lui, il a combien de ballons d'or? Hein? Il va ensuite à la Juventus. La Juventus, hein? Il a réussi à les garder au top du top avec la Juventus. Alors que regardez où ils sont maintenant, hein? Ils passent plus les poules de Ligue des Champions. La Juventus, c'est terminé. C'est vraiment la vieille dame. Donc lui, il est parti là-bas, hein? Il a boosté les réseaux sociaux de la Juventus. Là-bas aussi en Italie, on l'a manqué de respect. On l'a dit que voilà, il respecte pas la loi, il prend son avion, il fait n'importe quoi. Ils ont commencé à lui mettre des amendes par-ci par-là. Alors que c'est Cristiano Ronaldo, hein? Nous savons tous les passe-droits que les autres joueurs ont. On n'est pas au courant, on n'est pas dupes, hein? On sait, hein? C'est juste parce que Cristiano Ronaldo ne fait partie d'aucun gang de joueurs malfaisants que vous vous attaquez comme ça à lui. Il est parti à Manchester United. Est-ce que tu as déjà vu un club manquer de respect comme ça à un joueur? Même à un remplaçant? Est-ce que tu as déjà vu un club manquer de respect même à un stagiaire comme ça? Hein? Non. Tu peux dire qu'il n'a plus le niveau, mais il y a des manières de faire. Hein? Tu peux dire qu'il est âgé, qu'il n'est plus ce qu'il était, mais il y a des manières de faire. Quand David Beckham, là, il n'arrivait plus à courir. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, les Anglais? Vous étiez toujours là. Hein? C'est quoi ça? Vous n'avez pas vu là le fait qu'il a signé à Al Nassr? Le club a gagné 1 million de followers. 1 million. Il va toucher 200 millions par an. 380 euros la minute. Hein? Chacun ses objectifs. Et puis, je vois des gens, si j'étais Cristiano Ronaldo. Mais toi, t'es qui, toi? Hein? T'es qui toi? C'est quoi ton métier? Tu penses que Cristiano Ronaldo il va dire ouais si j'étais toi, hein? T'es malade ou quoi? Chacun son chacun.